Salut à tous, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve pour notre petite partie de The Settlers 2. Du boulot. Ah, bâtiment occupé, ça c'est bien. On l'avait vu en fait, de toute façon. Et là, faut qu'on avance. Des endroits sympas. Faut qu'on explore davantage, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que je construisais ici? Une carrière. C'est très bien. Peut-être devrait-on faire une tour de garde, tiens. Alors, un chemin, comme d'habitude. Je vais d'abord... Non, je vais partir de l'autre côté. Ce sera bien. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est parfait. Voilà. Alors, l'approvisionnement en ressources, ça va, c'est bon. Les bûcherons, tout ça. La nourriture, ça c'est le gros problème. Les fermes. On a fait pas mal de fermes quand même. La porcherie, la boucherie est juste à côté normalement. Ouais. Bon, on manque de cochons. On manque de blé, on manque d'eau. C'est un peu embêtant. Peut-être qu'on produise plus d'eau. Je sais pas s'il faut de l'eau ailleurs. Les mumules. On en produit un petit peu. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne crois pas. Où est-ce qu'on pourrait... Ah tiens là. Rourou, qu'est-ce qu'il dit Rourou? De l'eau. Où ça? Ah. Ça vaut pas le coup de mettre un puits pour autant. Donc faut qu'on explore, il nous faut de l'or, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse la guerre aussi, il faut qu'on s'étende comme d'habitude. Ça se construit tout doux. Un autre entrepôt, ça c'est bien. Ah, ils sont un petit peu lents les gens là à monter. Du charbon, bon ça on en a déjà. Ah, de l'or, de l'or, de l'or. Oh là là, de l'or. Là, ok. Donc, il va falloir qu'on s'étende. On avancera peut-être par là du coup, ici, ça permettra de choper ça. De l'or, c'est très très bien. On va en avoir besoin donc pour améliorer du coup nos soldats. D'ailleurs, pour produire des soldats, est-ce qu'on a une forge, tout ça? Fonderie... Forge, j'ai pas l'impression d'avoir fait de forge. Voyons voir, où est-ce que j'aurai de la place pour faire une forge? Bon, éventuellement là, c'est pas trop loin de la fonderie. Hop, et hop. Oh, ces piou-piou sont quand même relativement agaçants. 1, 2, 1, 2. Hop, on fera un petit raccourci. La flotte partout. On va refaire un puits. Voilà.
Ouh là là. On manque tellement de mules, ça ralentit toute la production là. Alors ce qu'on pourrait faire, ouais, on va le faire. Transport, outils, distribution, distribution, voilà. On va augmenter l'élevage de mules. Une fois qu'on aura toutes les mules, on pourra le baisser. Et là au moins pour le début de la partie, on va faire plein de mules comme ça. Mules, 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 mules. Allez. Putain, ces oiseaux, c'est insupportable quand même. Bon, ça roule bien. Il faut vraiment l'or. Un peu plus de charbon peut-être. Bon, on a déjà pas mal de charbon en fait. Nourriture, ça va, on a un peu de nourriture malgré tout. Le chasseur. 14%, ouais. Il commence à pu y avoir de gibier. Le pêcheur, ça va. La carte était un peu plus grande, il me semble. Hein. Effectivement. Qu'est-ce qu'il me dit, Rourou? Bâtiment militaire occupé. Très bien. On commence à voir un peu plus clair. Il y a du gibier ici. Alors, les marécages. D'autres montagnes. On va se mettre là. 1, 2, 1. 2. 1, 2. Ah merde, ça va faire 3. Tant pis. Est-ce que je mets un autre chasseur ici du coup? Ou est-ce qu'on laisse les petits lapins et le mouton s'ébattre tranquillement? Alors, on peut produire autrement de la nourriture. Franchement, on va pas se prendre la tête. Ce que je vais faire par contre, ouais, ici, tac. Et une autre ferme encore. 1, 2, 1, 2. Donc c'est bien, l'entrepôt c'est fait. Allez, un peu plus vite là quand même. Hein. On a toujours pas vu les ennemis. Courrier combat. Est-ce que je remets une carrière? On produit pas mal normalement là. Bon, cela dit, il y en a une qui va se fermer. Bon, quoique on a encore le temps ici. Bon, ça a toujours ça de prix. Autant les stocker.
Hop. Et ça aérera l'endroit en plus. Les petits moutons. Puis si on veut utiliser la catapulte, il va nous en falloir du coup des pierres. Là, il y a de la... Je note. Excusez-moi, je tousse tous. J'hésite avec ces petits moutons quand même, mais bon, ils sont tellement mignons. Ça change des oiseaux. Si j'abats tous les arbres, est-ce que les oiseaux vont arrêter de piailler? C'est vraiment agaçant. Bon, alors les mules. Est-ce que ça m'humule? C'est marrant, cette route-ci est beaucoup moins utilisée. J'ai peut-être construit plus tard. Je pense. Petit cochon là qui se promène. Ah bah voilà, il en a là du blé. J'ai bien fait un fournil et un... Je suis pas sûr d'avoir un fournil non plus. Ah si, là. Et le moulin. Je suis bête, il est juste à côté. Bon, en même temps on a besoin de nourriture parce que ça approvisionne les mines, je vous rappelle. C'est quand même largement nécessaire du coup. Mais là il nous faut des mules pour augmenter un petit peu la production. Ah bah tiens, il y a une mule là qui est passée justement. C'est peut-être pas l'endroit où j'aurais mis en priorité, mais bon. Ah, il y en a qui vont quand même un petit peu à droite à gauche là. J'aurais suivi la logique en fait du point de départ, qui est évidemment le quartier général. C'est là où il y a le plus de trafic, bien évidemment, vu que c'est là d'où on sort toutes les ressources au début de la partie. Comme c'est vraiment lent, vous voyez, pour construire toutes ces salles de garde, machin, et tout, poste et tous les avant-postes, il faut vraiment... C'est la première chose, en fait. Dès qu'il y en a un qui est construit, si on veut s'étendre tout de suite, il faut vraiment passer au suivant, quoi. C'est indispensable. Si on veut vraiment progresser. Et surtout, c'est de s'étendre... Là, vous voyez, je le fais pas, par exemple, ici, parce que il y a personne. Donc, il faut vraiment que je trouve où est l'adversaire. Et après, je pourrais sécuriser un petit peu les zones près de chez moi. Mais là, c'est vraiment pas la priorité. Surtout que bon, il n'y a pas de... Une carrière, c'est pas très important. On en a un peu partout. Là, par exemple, je pense qu'il n'y a que de l'eau. Alors, ça se trouve, l'île est coupée ici. Donc, s'étendre ici, c'est pas forcément le plus important. Sauf si, évidemment, il y a de l'or dans cette montagne. Là, par contre, ça deviendrait intéressant. Et du coup, à ce titre, on va voir s'il n'y en a pas dans le coin. Ce tour de garde est bientôt terminé. Objectif, s'agrandir là pour choper les mines d'or.
Allez là, accélère. Oui, un peu de temps. Mais l'autre il cherche dans la flotte quoi. Comme si c'était important. Enfin dans la flotte, il cherche la flotte dans la terre. Mais on s'en fout. Notre soldat devrait pas tarder là. Où est-ce qu'il est? Il doit être en route déjà. Il y a une trotte mine de rien depuis là. Tac 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 tac. Ouais. Ah ouais, puis il va passer par là en plus. C'est sinueux, tortueux. Ah bah là aussi il devrait y avoir un soldat. Ah non, c'est encore en construction. Je vois personne. On a plus de soldats déjà? Attends. Si, mais si. Oh là là. Ils m'ont fait peur. Oh là là. C'est bon, ça bosse bien là. Ah. Du fer. Ok, il y a du fer dans le coin. Là, du coup. Pour aller plus vite. Une petite salle. Refaire de l'autre côté, du coup. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah mince, 3. Voilà. Est-ce que j'envoie des éclaireurs de l'autre côté? Les observateurs. Éclaireurs, c'est dans Civilisation. Un autre 4X d'ailleurs que je fais également. Que je fais également en let's play, hein. Vous pouvez cliquer sur la description de cette vidéo ou alors en bas à droite sur le Mélofé, vous avez vous aurez accès du coup à toute la liste de mes let's play. Vous pouvez jeter un oeil sur les séries qui vous plaisent. Est-ce que je chope un peu plus de fer? Bon, ça, on a pas l'air de manquer de nourriture, hein. Ah ouais. Charbon. Charbon, décidément. Il y en a partout. En même temps, c'est ce qu'on utilise le plus, hein. On en a besoin pour beaucoup de choses. Ah, bien. Hop. Allez, là-haut. 2, 1, non, attends, attends, 1, 2, 1, 2, tant pis, 1, 2, 1, 2, voilà, cette grande montagne là, je me tâte à remettre un... Ouais. On va en faire un deuxième. Un baraquement classique. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 3, tant pis. Tout, tout, tout.
Je sais plus comment on fait pour ajouter des gens, tout bêtement, des commis. Comment on en crée déjà? Je sais plus ce qu'il faut. Ah, je peux faire un déplacement clic droit. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est je qui ne connaissais pas la molette. Eh oui, avant les molettes n'existaient pas. Alors, faut vraiment que ça accélère, hein, les petits loulous. Parce qu'à mon avis, les méchants, ils sont pas loin. Effectivement, j'ai l'impression que les baraquements se construisent un peu plus vite, hein, ce qui paraît logique en même temps. Mais évidemment, ils ont moins de résistance et on peut moins mettre de garde à l'intérieur. Bon, alors les mules. Les mules, ça a l'air bien là. Hein. On commence déjà à en voir un peu partout. Mmh.
espérant que ça accélère un petit peu. Mais là j'en vois déjà 4, 5, 6 et tout. Bon, faut que ça continue sur cette lancée. Ça va. De toute façon, normalement on a une ferme supplémentaire qui va arriver. Je sais pas où je l'ai mise. Ah bah c'est déjà celle-là. Elle est déjà construite. Waouh. Peut-être en remettre une là. Est-ce que j'ai de la place? Là ça pourrait être pas mal aussi. Je vais réfléchir. Et tout, on est dans les terres. Autant en profiter. Ça va faire trop encore. Un petit soldat qui va arriver. Là on avance plus vite, hein. Dès qu'on fait des salles de garde, forcément ça va plus vite. Ah, voilà. Eh ben, ils sont allés plus vite du coup. Peut-être appeler des érudits, mais là, on va pas pouvoir s'étendre comme ça, quoi. Je vais pas remettre un truc là, c'est chiant. Mais je pense que la surface de couverture aussi est plus petite qu'avec des bâtiments plus importants. Ouais, je pense que c'est assez visible. La différence n'est pas énormissime, mais elle est suffisante pour que ce soit un peu embêtant. Allez là, il arrive quand l'autre? Bon sang, on t'attend, monsieur le soldat! Il est où? Bah alors. Ah, le v'là. Ah bah dis donc. Thank you.
changer de musique parce qu'elle commence à être chiante là. C'est vraiment qu'elle a commencé à être chiante, mais c'est dingue que ça. Qu'elle change pas. Non, mais sérieusement. J'avais pas dit que c'était une musique à chaque épisode en même temps. Je crois que j'avais dit ça. Mais en même temps, il y a tellement des musiques insupportables. Je vais pas pouvoir, quoi. Non, mais c'est pas possible. Donc, ça vous fait kiffer une musique pareille. 3 ans, 2 mois, 1 jour après le naufrage, une tribu au nord nous barre la route qui mène à la porte. Elle est sacrée pour eux aussi. Une seule alternative s'offre à nous, le combat. Et je m'étrangle. Toujours aussi courte la jupette, hein. Effectivement, donc là on voit. Ça va être des Nubiens aussi. Du coup. Là on n'a pas le choix. Salle des gardes également. On va faire un truc un peu costaud quand même. 2, 1, 2. Et assez rapidement, please. Et là va nous falloir de l'or quand même. Ça a beaucoup à grandir, mais ah là. Voilà. Cette musique. Ah oui, enregistrons. Hop là, voilà. Bâtiment, eau, bâtiment, charbon, machin. Pour accéder à l'or, c'est un petit peu relou là. Ah mais non, je suis bête, j'aurais pas dû. Par ailleurs, je vais plutôt mettre un pêcheur. Parce que là, il y a une petite place. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Ah. Mais oui, c'est important, vous savez, hein, que ce soit tous les 1-2, ça permet que ce soit plus efficace en termes de. Le passage. Youpi, 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 d'accord, mais youpi, youpidou, youpida. Youpi pour des vrais trucs, quoi. Ce serait bien. Youpi la guerre. Youpi l'affrontement. Youpi on gagne. Eh, c'est de l'or? Ah ouais, donc youpi en fait. Vraiment youpi. Oh, c'est trop proche du bord. Ok, ok alors. Faites venir tous les érudits du monde. Peut-être que préventivement, je vais mettre une forge, un hôtel des monnaies plutôt. Voilà. Hop, ok. Par contre, ouais, tout notre or ici, c'est près de la frontière, donc en cas de conflit. Ça peut être mauvais. En plus, on voit qu'il y a des dinosaures morts. Bon, côté bouffe, ça va là. Côté mule aussi, d'ailleurs, je suis complètement oublié ce délire des mules. C'est toujours pas optimule, hein. Le moulin, quand même, de quoi faire. Le four. Le fournil aussi, pardon.
La porcherie, par contre, elle galère. Ah, en même temps, le bâtiment est occupé encore. La ferge là. Ah, j'ai fait un atelier. J'ai peut-être pas fait d'atelier. C'est quoi? C'est la faux, évidemment. Et du coup, les fermiers. Le fermier, c'est où? Je vois pas le fermier. Là. Paysan. Zéro. Ok, je comprends. J'ai gros oubli. L'atelier pour faire des outils. Oh purée, le boulet. Mais c'est juste indispensable. Sinon, pas d'outils, pas de nouveaux métiers. Donc du coup, ma ferme là-bas, elle est inutile. Ah purée, partie précédente, c'était les ressources. Là, c'est les métiers où je galère. Faut vraiment que ça revienne. Hein. Petit bonhomme qui m'a fait coucou. De l'eau en sous-sol. Oui, mais je m'en fous de l'eau et du fer. Le fer, c'est déjà un peu plus intéressant. Pas évident. Les mecs, ils vont partout, sauf au bon endroit, quoi. Ah, enfin. Les affaires sérieuses vont commencer. Un petit peu long hein, quand même là les soldats. Il va vite me falloir par contre mon atelier si je veux produire davantage de blé. Ah mais non, mais apparemment j'avais un paysan encore en rab. Il était juste en chemin. Bon bah ça va. Il va quand même falloir un atelier. Parce que je crois que j'en avais pas. Hein. Thank you.
Bah cette musique est pas si désagréable que ça en fait au fond. On s'y fait. Ah bah, il va falloir par contre pas mal de soldats hein. Donc on voit que déjà ici il y a un petit trait oblique. Donc ça veut dire qu'il faut le renforcer. Faut renforcer, on n'est pas très loin de la frontière. Et on voit qu'ils en envoient d'autres d'ailleurs, des soldats. Ah mais là, voilà, alors, plein d'or, ok, là. Encore plus à côté. Peut-être falloir qu'on agrandisse. Ici. Un, deux, un, deux, un, deux. Ah, mais là, ça y est, ça grandit. J'ai même pas tilté. Bon, allez, on va mettre du charbon ici. J'entends même plus les rou-rou. J'ai pas dû faire comme ça, d'ailleurs. C'est pas grave. Là, c'est un peu contre-productif ce que je fais quand même. Tiens, on va falloir de ce côté-là. Voilà. Ok, là, les érudits, vous allez me choper l'or qu'il y a ici. On essaiera de rejoindre les deux, même si j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je pourrais attraper comme ça en fait. Mais je sais pas si j'ai assez d'érudits, je les envoie un petit peu partout en plus. Ah, hein. Alors là, c'est quoi ce bâtiment? Je vois pas leur endroit à attaquer. Je vois un observateur. Ah, je t'ai entendu là. Du charbon, mais arrêtez avec le charbon. JPP du charbon. Est-ce que j'avance à gauche du coup? Bah si, si les voisins sont de l'autre côté en même temps, c'est pas très grave si on s'occupe pas trop de conquérir l'autre côté, le côté gauche. L'ouest. On est où à peu près de la carte? Ah, ils ont l'air vachement étendu quand même.
Atelier, c'est bon là? Du coup, ma forge, est-ce qu'elle produit assez? Ma fonderie, en fait, plutôt. Elle galère en charbon. Mais décidément, le charbon, c'est une tannée. Je vais faire acheter des mines de charbon, en fait. Tout le monde veut tellement de charbon. Même lui, il faut encore du charbon. Ah! Ah, de l'or. On y revient. Oui, à cause des terres, j'ai perdu un peu de trucs. Ok, là, c'est prometteur. 1, 2, 3. Encore de l'or. 2 ans, 11 mois et 23 jours, nous avons rencontré les Nubiens. Ils nous sont apparus menaçants, mais pas directement agressifs. Cela ne devrait pas durer. Il nous faudrait construire une tour de guet pour mieux garder notre territoire. Il semblerait que les rumeurs sur le fantastique filon d'or se confirment. Le chef de la tribu arbore en effet un imposant bijou en or massif avec la fierté d'un paon. Est-ce qu'il y a une... Non, je ferai pas une blague sur la queue des paons. Alors du coup, oui, ici, là, c'est bien défendu. Et moi, avec mes petits soldats comme ça, je suis pas sûr de pouvoir l'affronter. Tour de guet, tu dis. Voilà, nouveau bâtiment, tour de guet. Je sais plus exactement à quoi ça sert, mais on va le faire. Voilà. Ah, mais il y a plein d'or. Oh là 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 là. Ah, mais vite. Vite, vite, vite. Allez, plus de charbon. Et là, je ferai un chemin en fonction de ce qu'on trouve ici. Dans la montagne plutôt qu'aller sonder la terre. Alors l'eau, on s'en fiche, mais vraiment comme de l'an 2, quoi. L'eau, franchement, non. C'est pas la priorité, l'eau. T'as assez de place, toi, pour tes petits champs? Non, c'est pas optimal, hein. Ça va pas être pire que l'autre ferme avec seulement 3 champs, comme celle-ci. Mais de la place pour 4, là, quand même. Ah, mais là, on va en planter un. Celle-ci, là, par contre, elle galère. Ouais, ça va encore, en fait, au final. Alors les mules. Moi, je crois qu'en mules, on est bon. Est-ce qu'il y a des mules en stock? Ça sera l'indice. S'il y a des mules en stock, c'est qu'on est bon en mules. Où sont les mules? Où sont les mules? Mules, zéro. Bon. C'est qu'on peut encore mettre des mules. Tant qu'il y a des mules, il y a de l'espoir. Alors des armes qui se baladent là. Jusqu'à l'entrepôt, j'imagine. C'est sympa, mais en même temps, on en voit déjà pas. Ils vont pas me faire une catapulte, hein. S'ils me font une catapulte, s'ils me font une catapulte, c'est assez dangereux. Non, ça va pas être une catapulte, ça va être un gros bâtiment en même temps. Si c'est une forteresse, c'est pas mal dangereux aussi. On va pas prendre de risques. On va quand même envoyer un. Ok,
cas où. Pourquoi j'ai pas la catapulte? Wow. Ah c'est là. Ah là, que c'est qu'un bâtiment comme ça. Ok. Bon, ça peut être un catapulte. Ça pourrait être une forteresse par contre. Un catapulte, j'ai dit. C'est bon, tu le bats, t'es plus fort ou ça a le même niveau de puissance. Ah non, c'est bon, on l'a vaincu. Évidemment, ils sont plusieurs. Ça va être plus difficile forcément que l'épisode précédent. Eh hey, mais il envoie, il m'envoie un combattant. Il m'envoie un combattant. Ah, il n'attend pas passivement comme l'autre. On va se méfier. Oh mon dieu, il y en a un troisième. Faut vite qu'on ait de l'or là. Hein. Franchement là ça commence à urger. T'as de la bouffe au moins? T'as pas de bouffe. Il pêchore. Peut-être mettre un autre pêcheur dans le coin. Voilà, ça peut être pas mal. Et oh non! Oulala! La violence! Je me suis fait battre! C'est l'occasion de tester. Hop, voilà. Assaut impossible, faut qu'on me renvoie des soldats du coup. Ah, lui il est plus fort, mais lui aussi il a l'air d'être plus fort. Je me suis un peu fait surprendre là. Oulala! Oulala la 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 la. Oula que c'est mauvais. Ah, mais non, mais c'est les rouges en fait! Il y en a d'autres ici! Aïe aïe aïe. Il n'y a plus personne en plus ici. Non mais c'est hyper dangereux. Ah, vite la catapulte hein. Là on est en grand danger hein. Ah bah oui, puis il va attaquer celui-là, évidemment. Je pensais être peinard avec un petit braquement seulement, mais... Évidemment, alors, il n'y a pas intérêt à se faire rétamer, sinon... Donc, l'attaquant est toujours à gauche, le défenseur à droite. C'est bon, un coup. Esquive. Deux coups. Esquive, c'est bien. C'est bien. Il esquive bien, le mien. Ah, c'est pris un coup. Oh mince! Oh non! On est revenu avec Zeko là! Aïe aïe aïe! Oh non! Honteux! Ah, on se fait mais défoncer la défonce là! J'ai à peine le temps de faire des routes. Ils ont chopé l'or en plus. Super. Alors là, c'est super. Vraiment, il va falloir reprendre ça. Mais immédiatement, quoi. En espérant que mon or, là... Ah, ok. Si le filon est plus gros. J'ai même pas le temps de me demander où est-ce qu'il y a de la place. Non, pas détruire. Comment ça? Bon, ouais. C'est le stress de la fin de l'épisode là, dis donc, ça promet pour le prochain. Ma catapulte était bien là. Hein. Ouais. Donc on a deux ennemis, hein, les rouges et les jaunes. Évidemment, ils vont pas s'attaquer entre eux en plus. On a repris ça, ok. Je
Je sais même plus ce qu'on avait construit là. Qu'est-ce qu'on avait construit? Un puits, je crois. Alors, j'ai une mine. Ah non, ça suffit. Ça suffit de tuer tout le monde. C'est pas très gentil. Oui, je sais, j'ai vu. Allez. Ça commence à devenir intéressant là. Je me fais mes défonces. Clairement en retard, hein. On va se faire reprendre. Dépêche-toi avec ta catapulte, hein. Ah non, c'est bon, on l'a tué. Ouf. Oh non! C'est fini, oui. Tant de violence. Aïe 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 aïe, caramba. C'est un peu frustrant de finir l'épisode là-dessus, hein. Putain, je pensais pas avoir besoin si tôt déjà des tours de garde et tout, mais là. Ils vont mettre des trucs, évidemment. Les mines d'or. Allez, faut que mes soldats reviennent, qu'on puisse attaquer ça. Faites-moi mais de l'or à fond les ballons là. L'hôtel des monnaies il est où? Ah non, c'était l'hôtel des monnaies qui était là. Ah bah du coup pas d'hôtel des monnaies, pas de pièces d'or. Aïe 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 aïe. Eh bah dis donc, loup. Troisième scénario, t'es déjà en panique. Est-ce que je peux mettre? Je vais mettre là. One, two, mais. Pas d'amélioration pour l'instant, on aura beau avoir de l'or avec les mines, on n'a pas de pièces, donc pas d'amélioration, donc c'est la merde. Ah non mais là faut l'empêcher de prendre de l'or. Pas améliorer les bâtiments. Pas trop quoi faire là. Alors dans les productions surtout. Alors les outils, non c'est vrai, les armes c'est à part. Un peu plus à la forge du coup, le charbon aussi à la forge. Et à l'hôtel des monnaies du coup. J'hésite à en remettre une là. Catapulte. Bon, c'est déjà une qui se construit là en même temps. Pas qu'on les laisse. Pas qu'on les laisse tranquilles. Si au moins on leur reprend, ça fait détruire toute la route, ça peut faire un petit gain de temps pour nous et une grosse perte de temps pour eux. Ça pue duc, hein, voilà. Tant pis. Ah oui, ils ont mis une forteresse.
Il nous faut récupérer cette montagne d'or. Là, on n'a pas le choix. Pourquoi il n'y a rien qui se construit encore? Ah oui, mais il y a toutes les mines avant. Bon, ça promet des sacrés combats pour l'épisode suivant. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, bien sûr. Et puis, un petit commentaire pour me dire que j'ai pas été assez prévoyant. J'ai encore eu trop confiance. Et la confiance, ben, on voit où ça mène. Dans le décor, parce qu'ils vont piller les réserves d'or, ils vont s'améliorer. Alors que moi, que dalle, j'ai pas d'hôtel des monnaies. Non mais sérieusement, quoi. J'ai un peu traînassé, je pensais vraiment qu'on allait avoir le temps. Et puis non, le jeu est déjà bien sérieux là. Et puis là, je peux même pas attaquer. Vas-y, mais une fois qu'on aura la catapulte, ça va être un peu plus rigolo. D'autres soldats. J'espère que moi, côté production, ça va. La fonderie. Juste de charbon. Trop de charbon pour la fonderie, ça c'est fou. Je vais remettre des mines de charbon. Hop, n'hésitez pas à consulter les autres let's play. Ah, oh, ça m'énerve de pouvoir construire des trucs. Qu'est-ce qu'il va mettre là? Alors là, mais alors laisse tomber. Faut vraiment qu'on les bombarde. Hein. Là, on n'a pas le choix. Bien, on verra ça au prochain épisode. J'ai pas dit mon dernier mot. Il va falloir vraiment s'activer, bouger. Et au pire, ben, on partira un peu plus tôt dans la mission. On verra pour réussir. Merci à tous et à très vite pour la suite de The Settlers 2. Salut!